Draken. Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Star Ocean, en espérant que ça fonctionne bien, parce que j'ai eu pas mal de frame drops sur les records. Voilà. Donc, tel point que j'étais obligé de retourner l'épisode, parce qu'à un moment c'était irregardable, même pour moi, injouable. Là, je sais très bien ce qui va se passer. エダリの周りはそんなに危険なのか。王国が滅びた時の備えだ。王家や単細胞の騎士どもにいつまでも国を守れると思えなかったものでな。ミダス様、お言葉が過ぎます。そうか。 Ok, alors à savoir qu'on peut complètement couper cette conversation en allant directement là-bas. Hop ! Le jeu ne vous punit pas. En fait, vous pouvez aller directement à la zone de fin. Il va se téléporter et vous dire qu'il vous aime. Voilà, donc on va le faire. Hop là, on gagnera un peu de temps. Au moins. Hop là, et après on ira fouiller pour retrouver toute l'expérience de Douma. そっちの二人は外で待ってろ。ミラス様。患者と施療を理術し、他はいらん。それともお前は保護者がいなければ医者にもかからん腰抜けか? あ、一ついいか。実は俺も理術師なんだ。ほら。隅っこで見学するだけでいい。アベラルドの腕を作った技術があれば、世の中助かる奴が大勢いる気がしてな。いいだろう。だが邪魔はするなよ。 レティシア。 治療の邪魔になると悪い。オーブ預かってくれ。はい。ディマ、レティシアのこと頼んだぜ。ドゥマ。 Bon, nous on va récolter. Nous allons récolter l'expérience de Douma. Ainsi que les petits objets. C'est la chute des platans. On est où? Ah, c'était un skip hein, pour arriver évidemment à ce coffre. Je suis où? Je ne sais même pas où je suis. Là, il y a de l'XP, mais on veut d'abord aller en haut parce qu'il y avait deux encore de l'XP et surtout un objet. Quel talent. Des fois la maniabilité du jeu est horrible quand même. Allez. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hop là. Alors à savoir que l'XP de Douma revient. Si vous retournez dans certains endroits que vous avez déjà visités, elle peut revenir. Ouais. C'est pas. En fait, vous pouvez la farmer, mais je sais pas au bout de combien de temps elle revient par contre. Alors, on va certainement pas parler au PNJ à qui on doit parler pour faire la suite. Bien que, on pourrait quand même continuer à récolter. Ok, c'est par là. Où exactement? Alors, figurez-vous que en fait le jeu ne supporte pas la 2K. Voilà. Si vous mettez en 2K, il lag à mort. C'est un peu.
Impressionnant quand même. Alors, à tel point que j'avais même mis le jeu en faible, en résolution faible, et il était injouable. C'est en plus d'être dégueulasse, parce qu'en faible il est vraiment dégueulasse. C'est assez impressionnant. Alors que mon ordi fait quand même tourner, on tourne BG3 en full quoi. Je veux dire, on a eu un lag quoi. Donc arrivé un moment, c'est pas le PC quoi. Parce que bon, on va pas dire, mais que Baldur's Gate 3 est quand même un petit peu plus beau que ce jeu. On fait aussi tourner Elden Ring quoi. Donc bon, arrivé un moment, si ton ordi fait tourner Elden Ring et Baldur's Gate 3 en 2K, il peut faire tourner ce jeu quoi. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Allez, on y va. Donc là, c'est vraiment des problèmes de dev hein, dans ces cas-là. Et c'est toujours un peu frustrant quand c'est à cause des devs. Il y a un lapin à récupérer ici. En dessous. Il est là. Hop. Merci. On va aller récupérer le lapin. Alors, le lapinou. Il est au-dessus, c'est vrai. Hop là. Il est là. Et voilà. On a le lapin. Et hop, on va juste parler à ce PNJ. あれが珍しいかい。はい。あれは勝手に動いているのですか。ミダス様が作ってくれたからくり草刈り場さ。草刈り場。あのバーニー人形がちょっとした量の草刈りをしてくれるんだ。年を取るとそんなことでもしんどくなるからな。可愛らしいですね。 On dirait un truc de Star Wars mais mal fait. Vous savez là les... Tonton? Non. Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. Si, Tonton. C'est pas Tonton? Je ne sais plus. Non, j'ai l'impression que ça passait à travers la montagne, j'allais dire. Un peu de respect quand même. Il y a une auberge. On va aller à l'auberge. Pourquoi? Pour repartir à full vie. Il y a un marchand également. Allons voir si on peut lui acheter des choses. Bonjour. Est-ce que vous vendez des armes et des armures? Pour lui acheter des myrtilles, en vrai c'est pas mal. Oh, oui. J'ai combien d'argent? Oui, j'ai assez. Okay. Oh oui, des meilleures épées pour moi. Très bien. Ok. Ah mais en fait il y a des meilleurs équipements pour tout le monde. Très bien. Albert, on va lui acheter ça et on va mettre ça à Albert. Wow. On mettra ça à la jeune fille. J'ai oublié son nom. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut faire? Ouais. Hop. Alors, on va s'acheter des myrtilles en plus. Ah mais on peut la squeezer en mode j'en ai rien à foutre de ce que tu dis. En mode je me casse quand même. D'accord. On pourrait jouer aux cartes aussi. Le jeu de cartes. Une ketounette. Oui j'ai déjà mangé de la viande. Oui. Ouais. On en a pas. D'accord. Je vais me reposer.
Ah, on n'attendrait pas d'avoir tous les persos pour être sûr. Moi je vais attendre d'avoir tous les persos pour être sûr que ça régène tous les persos. Parce que là je suis pas sûr que ça régène tous les persos. Je sais pas s'ils ont pensé à ça dans le jeu. Que t'ailles dormir tout seul et que ça régène tous les persos. Je sais qu'il y a des jeux où ça le fait, et des jeux où ça ne le fait pas. Et ça me ferait chier de payer deux fois en vrai. On n'est pas si riche que ça, on vient d'acheter plein d'armes. Les armures, hop là. Elle est trop forte. Super méthode de déplacement d'ailleurs. お話を聞いていただくことすら。そんなことより、あなたの腕は大丈夫だったの？また良くなるの？あ、いや、その半年のうちには使い物にならなくなると。新しいものを作っていただくことはできないの？その機会は14年前に失われた。と。 Ah là là, on va perdre Albert. Hime. Albert va perdre son bras. Et merde. Midasama. Doka, doka, Abelardo no ude wo atarashiku tsukutte wa itadakemasen ka? Fukano da to tsutaeta. Onegai shimasu. Sore ga kanau no de areba, watashi wa mou konrinzai, Midasama no mae ni sugata wo arawasanai to chikaimasu. 一国の王女が本当に付き添いのためだけにここまで来たとでも言うつもりか？最初は違いました。ですが、私は今、私のために命をかけて戦ってくれている友のためだけにここにおります。どうか。核となる素材が14年前に王国から失われているんだ。 俺が王都に戻ったところで、もうその腕を作るのは不可能なんだよ。あ、そんな。俺にできることといえば、これくらいだ。Mais sa voix va pas avec le perso. D'accord. Tu ne pourras plus te masturber. 俺もこいつの仕組みはよく知らないんだ。あんたに調べてもらえるんなら、ありがたいんだがな。そんな浅はかな誘いに乗ると思うか？国が滅びちまえば、悠々自適もご破産だぞ。俺一人いないくらいで滅びるなら、その程度の国だったということだ。ミダス様。話は終わりだ。アベラルド。お前の腕は俺の責任で、最後まで面倒を見てやる。 だがそれ以上の話はもうしない。だから。わかりました。姫。ミダス様はこの村にとってかけがえのない方。我々の勝手でお連れするわけにはいきません。アベラルドの腕のこと、どうかよろしくお願いします。ウィフ。セニーナ、キアデーレ。緊急避難信号を受信。 緊急避難信号を受信。ナトロペルベポソナージュ。速報官イーダス所属の脱出ポットの緊急接近を検知いたしました。ああ、トレビアン。別信号確認。エレナ副長のポットです。早すぎるぞ。着陸までには時間があるはずだ。なんだ今の声は。それにその地図は。後にしてくれ。エレナ、エレナ聞こえるか。レイ、アスター星系第4惑星の引力圏に入りました。 姿勢制御装置が自動、手動ともに稼働せず、十分な減速は不可能です。最終墜落予測地点を送ります。分かった。エレナ、着陸地点で会おう。頑張ってみますね。オーバー。レイ、一体何が？悪いよ、まだ。少しだけ別行動する。すぐに戻る。何を言っている、ふざけるな。
緊急事態なんだ。分かっている。だからなぜ一人で行こうとする。ミダス様、ああ、一旦失礼いたします。私とアベラルドはレイの仲間を助けるという約束で彼に同行をしてもらっています。アベラルドの腕のことは後ほど何卒よろしくお願いいたします。レイ、行きましょう。すまねえ。I s'excuse. En avant。早すぎる、エレナ。落ち着け。あの方向は地形が複雑だ。遭難すれば救助どころではないぞ。くそ。ついてこい。ミダス様。あの流星が落ちたあたりなら案内してやれる。すまない、頼む。ミダス様、感謝いたします。村の者が不安がらないよう調査に行くだけだ。D'accord. Alors, on va récupérer le perso de Midas. Qui a un système de sort assez particulier. Voilà. Donc, on peut accueillir que 4 membres. On a une réserve. Ça, on l'avait déjà vu. Ah, mais les autres sont, sont soignés de base. D'accord. Donc, on va aller se soigner. En fait, il a un système particulier, le Midas. En gros... Merde. Alors, en gros, il va pouvoir... c'est un magicien. Et en gros, il va charger ses sorts. Alors, pour faire très simple, vous allez lancer des sorts. Et en fait, ces sorts, ils vont pouvoir être chargés et stockés. Et en fait, au bout d'un moment, vous pouvez balancer la max. Alors, je sais pas du tout comment l'IA gère ça, par contre. Non, mais moi, je mange pas. Voilà, merci. Lui, il a l'air... Ok. Voilà. On peut monter là-haut ou pas ? Je pense pas... Ok, très bien. Mais ça va nous être expliqué, je vous lirai ça. Je sais pas du tout comment l'IA gère ça par contre. Alors, on a de l'équipement, on va s'équiper. Voilà, au niveau armure, on a vu qu'on n'avait rien de mieux. Toi, on a vu qu'on avait mieux. On a vu qu'on avait mieux là et mieux en armure également. Le Robert. Voilà, on va te donner le Robert. Toi, t'avais une meilleure cloche et t'avais une meilleure armure également qui est celle-ci. Voilà, et lui, lui, on n'a pas de d'autre équipement à lui donner. Ah, il peut porter des armures. On peut te donner des accessoires. Plus de défense. T'as pas un truc de magie ? Si. On va prendre la magie. Et deux fois de la magie. Ça pourrait être utile. L'arbre de compétence. Alors. Plus de PV. Alors, ces sorts, ils sont où ? Premier soin. Ça, c'est pas mal. C'est toujours bien, les soins. Dard de glace, voilà. Donc là, il va envoyer des dards, ok. Hydrolienne, d'accord, donc c'est un hydrosophiste. On part là. Donc là, on est sur un élémentaliste. Hein. Alors, attends. 60. 60. Longue portée. Ah, c'est la tête chercheuse, ça. Je sais pas, c'est... Parce que souvent, on dit que le feu, ça fait plus de dégâts que l'eau et tout, mais... Ça a l'air fort, le vent. Avec des chocs électriques. Ouais. On va partir sur les PV.
on va lui mettre de la glace. Voilà. Et de l'intelligence et du feu. Ça me paraît bien. Ça c'est quoi? Feu plus 10% à résistance au feu. Voilà. Muscle magique. En cas de coup critique basé, intelligence attaque. Lorsque l'attaque basée sur l'intelligence inflige... Ah oui. Évidemment que ça on va lui mettre. Hop, ça va être la résistance à la glace. Ça va nous servir, croyez-moi. Premier soin, 12% de chance de récupérer 20% des PV en cas d'attaque. Ouais. Ça c'est quoi? Facile, qui ne nécessite pas de sort. Lance de glace étant... ouais. 51, ouais, c'est vrai que ça nous soigne pas. Un petit peu de défense, 25 PC. Bah écoute, tu vas prendre un peu de constitution pour résister aux altérations d'état. Et de la défense, voilà. Ok. Alors, lui il a 211, c'est Albert, hein, le cinquième mousquetaire. Non, c'est Nina. Nina, on était parti sur... elle enchante les gens. Hein. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, hein, j'ai vu qu'elle avait un revive. Alors, Albert, le cinquième mousquetaire. Vas-y. Prends des petits trucs quand même. On va quand même lui mettre des boules de feu, des trucs comme ça. Pour être utile. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il m'en reste que 6, pardon. Jackie la frite, Raymond. Une petite charge. Des dégâts. Vent. Ça peut être intéressant. Voilà, on va lui mettre un petit sortilège quand même. Et toi? Nous, on était parti là-dessus. Hein. Croix gardienne. Oh, ça a l'air pas mal, ça. Courte portée. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ça, oui. Des PV. Donnez-moi les PV. Attends, c'est basé sur quoi? L'intelligence. Mettre des dégâts de terre. Ah ça, ça rajoute des éléments à nos armes. Est-ce que c'est vraiment utile? C'est toujours utile, hein, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que... ça ajoute 1% de dégâts ou 500% de dégâts? C'est ça la question en fait. Régénération. C'est vrai qu'on peut leur donner de l'XP ça? Ah oui, c'est pas une connerie de tu peux les racheter. Prochain niveau. Comment ça marche? Je sais plus. Prochain niveau 60. C'est ça. Les PC améliorent le niveau de compétence. C'est ça. Et donc là, je peux genre aller là, faire ça. Voilà. En fait, t'es pas obligé de les dépenser dans l'arbre. Tu peux aussi augmenter tes compétences. Ouais.
Voilà. Alors. Là, on fait coup. Deux coups et trois coups, c'est ça. Non, on fait deux coups, deux coups. Après, est-ce que je pourrais pas mettre genre ça derrière? Et là, en fait, je fais coup, puis deux coups, deux coups. Donc peut-être que si je mets ça derrière, ça peut être pas mal. Ça, non. On va peut-être partir sur coup. Puis deux coups. Puis Eclipse, c'est quoi ? Ça. Ouais, ça c'est pas mal. Et ça, on va partir sur coup. Deux coups. Et la croix gardienne. Non, la croix gardienne. Parce qu'en fait, il y a des... Ça, c'est un coup final, en fait. Si on commence par ça, on peut pas enchaîner les autres attaques. Voilà. Et ça... Je vais peut-être... Je vais tout mettre en croix gardienne, en maintenir, parce que ça permet de faire des contres contre la magie. Ça, je sais pas si ça sert à l'IA, en fait. Est-ce que l'IA utilise les sorts? Je ne sais pas. Je sais pas si elle a une capacité de sort particulière ou si elle peut tout utiliser. Par exemple, est-ce qu'elle utilise que ce que vous avez mis comme si vous jouiez le personnage ou si elle peut utiliser tous les sorts du personnage actuellement disponible. Ça, je ne sais pas et je ne peux pas le savoir. En fait, il faudrait faire des tests, ne rien mettre et voir ce qu'ils font. Ça pourrait être un test à faire dans des zones safe. Des zones où on craint pas grand chose. Je vais juste faire... Alors là, vous allez voir qu'il y a des saves après. Voilà. Clairement là, par exemple. Voilà, je l'efface. C'est les saves où c'était injouable et regardable. J'avais essayé, j'avais fait un épisode complet. C'était complètement... C'était compliqué. J'ai dit, ouais, c'est pas grave, c'est peut-être un problème, une mise à jour qui s'est faite. J'ai fait un deuxième, c'était injouable aussi. Et en fait, si vous voulez, c'est la 2K qui supporte pas, donc... Pourtant, je me rappelle pas avoir été... Voilà, donc la fonctionnalité spéciale de Midas. Midas maîtrise la Semionancy, donc les signes. Une puissante magie longue à canaliser. Alors attention que lui, ça va mettre du temps à le canaliser. Il est essentiel de le mettre à l'abri le temps qu'il prépare ses sorts. Voilà, donc en fait, il va mettre longtemps à préparer ses sorts. Il peut être un peu gênant. Pas sûr qu'il soit très utile en fait en vrai dans le jeu. Midas peut utiliser son AC pour utiliser sa barrière et continuer à canaliser ses sorts. Donc au lieu de charger, en fait il va faire des barrières magiques. Ou pour bondir dans les airs, esquiver et gagner du temps. Pour toujours continuer à charger ses sorts. Et si la canalisation s'achève en pleine AC. Donc là c'est des histoires de timing. La sémiomancie se déclenchera instantanément. Juste après l'attaque AC, l'attaque s'apparente alors à une série de coups au corps à corps. Pensez aux attaques éclairs pour faire plus de dégâts. Donc, c'est un peu particulier à jouer à mon avis. Ah, elle est très classe cette attaque. Ok. Très très classe la croix gardienne. Alors là je sais ce qu'on va rencontrer comme mob. Un mob, j'ai pas compris comment le combat. En gros, il a une barre de vie qui peut... Alors il peut se régénérer. Et quand on lui casse ses yeux, il perd de la vie. Mais genre beaucoup. Mais... c'est très bizarre comme mob. J'ai vraiment pas compris comment on le tue. Ça fait quoi la lunette objective déjà? Je crois que je l'avais pas trouvé, mais j'ai peut-être pas bien regardé.
C'est déjà pas un objet qu'on a ici. C'est pas une armure, certainement pas. Ce serait donc là. Lunette objective, voilà. Lunette puissante utilisée pour l'analyse, facilite la création d'objets par l'ingénierie. Ah, donc on aura de l'ingénierie plus tard, voilà. Bravo, il a vu, il a trouvé. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, il a des yeux. Alors, ils sont deux, hein. Oui. Pourquoi ils sont morts en un coup? Normalement, ils sont chiants à tuer. C'est parce que je les ai pris par surprise. C'est un monstre qu'il faut prendre par surprise pour le tuer facilement. Bordel de merde. Y a pas de boss ici. Hein. On dirait, mais non. Alors, je croyais vraiment la première fois que j'ai tourné qu'il y avait un boss ici. Évidemment, l'expérience de Douma, important. Non, j'ai appuyé sur la touche trop tôt. Non, je m'en fous, je l'ai quand même. Et à l'autre côté. Elena, il me semble qu'il y a un trésor encore. Elena, これを開けばいいんだな。おい、アベラルド、お前はそっち側に回れ。3人でこじ開けるぞ。Elle a pris cher, mais elle saigne pas. Ah, c'est un robot. D'accord. Et donc la sex doll. どうすれば修理できる？現在のエネルギー残量で自己修復は不可能です。パッドが損壊しており、流用できる部品が不足しています。そうか。くそ、どうするか。技術漏洩を防ぐために、このまま私をシャットダウンして破壊することを進言します。そんなことできるか！どこの世界に自分の船のクルーを殺そうなんて考える艦長がいる。バカ言ってないで真面目に考えろ。レイ、この生命体の修復に必要なパーツはお前が乗ってきたポットのパーツを使えばよかろう。あ、いや、本当に肝心な時にしか喋らないんだな。会話機能とはそのような機能である。今回ばかりは感謝する。お前の言う通りだ。俺のポッドは万全の状態だ。エレナ、それでどうだ？このポッドで不足している流用可能なパーツを集められれば、相当程度に行動可能な機能回復が可能と見込まれます。今、リストを送信します。ça a été l'ingénieur, non？保全モードに移行して電力を節約してくれ。万が一に備えて通信回路の維持だけ頼む。わかりました。それでは私とレイが初めて会ったあの場所に行きましょう。 donc c'est la sex doll。 悪いな、寄り道させることになって。レイの仲間を助けることは私たちの旅の大事な目的です。遠慮なく頼ってください。あとわからないこと、びっくりすることだらけだったから。D'accord qu'il y aura quelque chose ici, hein. レイのことと、この不思議な友達のこと、教えてよね。どう？エダリ地方に出るのはこっちじゃないな。Il y aura clairement quelque chose dans ce temple. C'était pas un coffre d'ailleurs, c'était de l'XP de Duma. Bravo.Quel talent! Ah, mais on peut faire ça en fait. D'accord. C'est parti. Lacas no Morini Kakushtea. Nagatami Natuaringa, Skiatemorase.
Donc peut-être que quand on les prend par surprise, on les one-shot, ces canards. Ce qui est une bonne chose. Parce qu'ils sont vraiment très très chiants, hein, si on les prend pas... Aïe. Il m'a eu. Salaud. Ah d'accord. Elle fait des dégâts sur le temps. C'est tant que les lames elles restent, ça fait tac 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 des petits tics de dégâts. D'accord. Ça je savais pas par contre. Alors j'ai essayé en faisant mes tests hein, pour voir si ça m'a remarché bien. On peut sprinter et tout couper sans faire un seul combat. Voilà. Mais bon, on est un guerrier nous. Ah d'accord. On en est là. Ah, il est encore vivant, lui. Il est où? Dégage. Merci. Ah, ça va beaucoup mieux quand même, parce que en fait, je me faisais bolosser le cul, mais j'avais pas pris mes levels. J'ai du mal avec... il faut utiliser tes PC. On avait été là, je crois. Hein. Oui. Il n'y avait pas grand-chose. Je sais plus ce qu'il y avait. Et j'avais été déçu. Là, on avait fait un feu de camp, je crois, de mémoire. Et ils ont même pas mis un mob. Hein. Même pas un petit boss ou quoi. Enfin, pas pour le moment, en tout cas. Certainement plus tard dans le jeu. J'ai pas été très loin, j'avais fait qu'une heure et demie, 45 minutes. Attendez. Ouais, presque une heure et demie. Parce que le deuxième épisode, ça c'était vraiment, vraiment, vraiment injouable. Et j'avais fait qu'un épisode d'une demi-heure, donc c'est pour ça que je recommence tout, je préfère. Il va se suicider ou pas? Ah, j'ai déjà eu des monstres se suicider. Hein. Je vois rien. Je sais pas où je suis. D'accord. Ça, c'est un des gros problèmes du jeu. Dégage. Il y en a qui ont monté le level, on va faire les levels aussi. Voilà. Moi, j'aime pas quand on se fout de ma gueule. Attendez. On n'avait pas été là-haut. On l'a pas fait, ça. Non, non, j'ai pas été là-haut. Ça ne me dit rien. Attendez. Faut donc d'abord aller là. Ok, ça, c'est fait. J'ai vu qu'il y avait un passage. C'est pile au poil là. Et merde. Non, 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 non. C'est le suicide. Pour commencer. Hop là.
c'est horrible. Il doit y avoir un bon objet là-bas. On va aller le chercher. De toute façon, c'est pas grave, on peut se soigner. On a tout ce qu'il faut. Je vois pas. Ouf. On atteint ça? Bien sûr. Ok, c'est parti. Et là, je l'avais déjà fait et je pleure si je l'avais déjà fait et je m'en souviens pas. Ok, mais ça me dit rien. Quelle maîtrise du gameplay. Bah, j'avais dû le faire déjà. Je suis triste. Là, ils étaient tous là. Mais si, tu l'as déjà fait, espèce de con. Okay. Très bien. Toi, t'es mort. Yeah. Ok. On se soigne en combat, hein, donc... Tant que je me soigne en combat, je ne vais pas utiliser mes objets de soins. C'est logique. Allez, dégage. Ok, ça se passe bien, les combats. On a Raymond qui a pris un peu de dégâts. Allez, c'est parti. Je ? J'ai eu peur. Oui, ton pod est juste là. On a un petit peu de PC. Justement, je voulais voir un truc. Donc une compétence passive, Jacquelinette. Juste, si je fais ça... Ah oui, puissance quand même, ça augmente de plus de 10%. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. Au moins les premiers niveaux. Et restant 1,5% des PV. Intervalle régulier. Ah oui. Ah oui. Ah oui, on arrive quand même à des taux de soins assez intéressants. Et donc ça peut vraiment être intéressant de... d'améliorer les pouvoirs plutôt que d'en acheter de nouveaux. Ah ouais. Est-ce que le AK va farmer tel un sac à merde? Il y a des gens. Bonjour. Vous êtes des gentils ou des méchants? Moi je sais. Rei, dareka imasu? Asoko potto ga aru basho de wa? お前の仲間か。違う。どういうことだ。とか、ils ont réussi à。誰かいるぞ。ils ont des balles。お前の仲間ではないようだな。邪魔するな。こっちは時間が押してんだよ。OK。ouais。警告。エネルギー残量撃破。はい。痛いわよ。強制反応。Il est où le dernier? Là. Je t'ai loupé. Excuse-moi. Ok. Yes. C'est bien passé. どうしてポットを操作できた？いや、そもそもなんで透明偽装を見破れたんだ？だからでしょう。その懸案事項を推測するより、必要なパーツを迅速に確保し、
アンドロイドの元に帰還することが優先される状況だ。エレナ、聞こえるか？レイ、ポッドに着いた。パーツを解体するから指示をくれ。承知しました。まずは乗員シートを外して、その裏にあるパネルを開いてください。こいつをバラすってのか。腕が鳴るな。何ウキウキしてるんだか。Le vieux est un démanteleur. 見たことのない素材ばかりだ。どんな成形技術があればこんな細かい削り出しが。作業に集中してよ、ミダソウジさん。次に取り外すのは、私の紋章ジェネレーター修復の代替パーツとなるポットの行動力発生装置なのですが、それがないとポットの遠距離通信機能が使用不可能になります。それじゃあ先に兄貴に連絡を取って船を確実に送ってもらうよう念を押そう。コンピューター、アントニオ・ローレンスにつないでくれ。コンピューター、 Veuillez retirer deux mauvaises réponses. できませんでした。何？じゃあ親父だ、ラウル・ローレンスにつないでくれ。接続できませんでした。遠距離亜空間通信波が何らかの理由でベグアルド星系まで到達していない可能性があります。Ils ont accroché le téléphone. C'est ça. T'as payé ta facture ? Évidemment.なんとかなる。わかりました。Très bien. それらのパーツを流用し、まず動力回路、そして腕および手の修復をお願いします。そこまで到達すれば自分で修復可能です。D'accord. Ah. Bah, それくらいはかかるよな。レティシア、かなり時間がかかる。その間お前たち。でしたら、その間私とアベラルドはエレナさんのポットが目撃されている地域でどれほど噂になっているのか調べてきます。さっきの男たちがどこから現れたのかわかるかもしれません。危険じゃないか。でももしさっきの男たちのような相手が他にいたら、エレナさんの治療にも支障が出るのではありませんか。そうし、インテリジェンス頼めるか。私もレイの役に立ちたいですから。私も一緒に行くよ。アベラルドさんがまた体調を崩しても私がいればなんとかなります。やむを得ない。奴らが何者かわからんが、帝国の患者なら一大事だからな。集合はエレナさんの治療が終わる3日後にエレナさんのポットで。ああ、 ça avait l'air quand même assez régulier hein, les soins。 どういう人なんですか？不思議な人です。いや、それは分かってるんですけど。空の向こうの星の世界からやってきたなどと言っています。星の世界？最初は我々も信じていませんでしたが、ここまでいろいろ見せられてしまうと。うん、そのオーブも結局何なんですか？それもレイと何か関係が？もともとレイの船の荷物らしいんだけど、レイもよく分かってないみたい。え？何にせよ、レイやエレナさんのことはあまり大きく広まってほしくないわ。まずはエレナさんのポットがどれほど噂になっているか調べましょう。 Impossible d'obtenir myrtille. Oui, parce que j'en ai déjà trop. Mais si je fais inventaire une myrtille à Jackie, voilà, j'ai récupéré. Et donc ma réserve elle est vide là, c'est ça? Ah, l'autre il est parti aussi.
Ok. Je suis en train de me poser la question, savoir si je vais pas farmer comme un porc. Pour récupérer des objets, parce que dans les quêtes, hein, tout ça, qui donnent pas mal d'XP, enfin, ça donne pas mal d'argent. Et aussi, bah, vu que j'ai vu que améliorer les compétences, c'était pété du cul, ça pourrait être intéressant de le faire. C'est où ? Dégage. Parce que la régénération à 2% de vie, en vrai c'est pété. Et en plus je suis bientôt niveau 19, donc je crois que je vais farmer encore un peu. Ah moi j'ai pas honte de taper des ennemis de début de jeu. Je sais qu'il y a les... Il y a les autruches qu'on doit attaquer aussi. Parce que ça donnait un objet. Voilà lui. Voilà déjà. Voilà. Moi j'ai monté de level. Donc j'ai plus de PC. Et donc est-ce que je peux la mettre... Ah je peux pas la mettre niveau... Ah mais je peux la mettre niveau 4. Je peux pas la mettre niveau 5. En vrai 2% des PV, elle a 700 PV. 2% ça fait quoi, 14 PV? Elle a une régénération passive de 14 PV. Moi je dis pas non hein. Surtout que là après c'est 2,2 PV. Enfin 2,2%. En fait ça, on a l'impression que ça fait pas beaucoup mais... C'est fixe. Et c'est en continu. Quand t'es en combat. Donc après il faudrait voir le taux. C'est toutes les secondes, toutes les 2 secondes, toutes les 0,3 secondes, des trucs comme ça. Et en fait, plus le taux est élevé, plus ça va être efficace. On est d'accord avec ça. Ah d'accord. Marrant. Un ennemi qui bouge pas, tu peux pas le toucher avec ça. Intéressant. C'était quel objet que je devais leur récupérer sur eux, je ne sais plus. C'est tous les petits tics de vie hein, qu'on voit. Hein. Donc en fait, c'est pas négligeable, je pense. Hein, la régénération. On va aller au village de la Créta. L'Arcette, pardon. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop là. Et on sera bien, je pense, pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.